Turfren, Val-Office connaît plusieurs opérations, des opérations qui sont des opérations d'importance, des opérations de renouvellement urbain notamment, mais aussi des opérations d'avenir. Et éminemment, dans ce territoire, vous êtes sur un sujet d'avenir, 800 logements. 800 logements, ce n'est pas rien. La demande du logement est extrêmement forte et prégnante dans notre territoire. Quand on crée un quartier, c'est toujours des moments forts. Alors, ce sont d'abord des moments forts pour les élus. Les premières réunions publiques que j'ai faites, c'était il y a 5-6 ans. Donc le temps de l'aménagement est un temps long. Il est beaucoup plus long que le temps des attentes. Tout a commencé en 2007. Donc pendant très longtemps, je pense que les riverains se sont dit « il ne se passe rien ». Alors qu'en sous-marin, en fait, on étudiait. Et on faisait toutes les études préalables, on faisait le dossier de création, on faisait le dossier de réalisation. Ici, il y a 5 ans, il y avait un grand entrepôt. Et le site, il est resté assez longtemps avec ce grand entrepôt avant qu'on démolisse. Mais une fois qu'on a démoli l'entrepôt, les constructions sont finalement arrivées assez rapidement derrière. Absolument. Et après, on s'est retrouvé dans le temps de la construction. Et le temps de la construction, c'est 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, et c'est le pari de la ville, on en a fait un lieu de vie. Un lieu de vie avec des équipements scolaires dédiés à la jeunesse. Un lieu de vie avec un équipement culturel et tout autour des habitations. C'est un quartier qui est urbain, agréable à vivre, qui a été pensé pour éviter des erreurs architecturales ou urbaines. Non pas qu'il ne faille pas densifier, mais parce qu'ici, dans cet environnement, faire cette volumétrie en termes de logement était la chose la plus pertinente et la plus urbaine. Quand monsieur le maire avait imaginez développer ici un nouveau quartier frénois. Il avait eu cette vision d'un quartier où les enfants pourraient se rendre à l'école sans avoir à traverser de rue, de façon très sécurisante et apaisée. C'est assez naturellement que l'idée de développer ici un éco-quartier s'est imposée. Un quartier de la vie, un quartier du vivre ensemble, un quartier où il y a de la mixité sociale, dans un esprit de bien vivre ensemble, autour de la nature, puisque nous avons un mail, il ne se voit pas encore, puisqu'il pousse, un mail arboré entre le nord et le sud de cette ZAC, et puis entre l'est et l'ouest, un mail paysager et dédié à la promenade et qui emmène directement à notre centre d'art. Les équipes de Val-Office, dont j'ai l'honneur d'être le président, sont mobilisées tout entièrement et très globalement vers ce projet d'intelligence. C'est un projet qui a vocation à allier les atouts du développement durable et ceux de la mixité sociale dans un territoire qui en a besoin, mais un territoire qui est extrêmement défendu à la fois par son maire, mais aussi par l'ensemble des partenaires de celui-ci, et j'ai l'honneur de compter parmi eux. Donc là, nous sommes sur le site de la ZAC de la Cerisaie. Donc là, on est en train de réaliser un chantier pour Val-Office, donc la Liloca, où on a 276 logements et un beau centre d'art pour la mairie. Liloca, c'est vraiment l'immeuble majeur de ce quartier. C'est un concours donc qui a été animé par Val-Office et les architectes. Olivier Ferrière et moi-même, devenus architectes en chef depuis, nous avons réfléchi au rôle que doit assurer le bâtiment dit Iloca, situé tout au long de l'autoroute à Sud par rapport à la ZAC de Cerisaie. Oui, cette façade constitue un bouclier acoustique qui doit être absolument sans faille sur 150 mètres de long, dont l'enjeu technique est de placer dans une ambiance apaisée l'ensemble du quartier qui est situé derrière ce bâtiment. Une donnée très importante qui a été définie par la maîtrise d'ouvrage et la ville de Fresnes, c'est qu'il n'y ait aucune pièce de vie qui est tournée sur l'autoroute. Toute la vie de ce bâtiment est tournée vers le cœur des lots. C'est un bâtiment qui va s'apprécier à la vitesse de déplacement d'un automobiliste. Il en aperçoit ces grands volumes qui abriteront des résidences, des logements, qui viennent s'alterner avec ce qui deviendra des jardins suspendus. À terme, cette façade va être complètement reconfigurée avec un habillage par des panneaux d'aluminium anodisé qui vont avoir une géométrie légèrement pliée et qui vont intégrer des percements aléatoires. On devinera effectivement au travers de ces percements des arbres qui vont habiter le cœur du bâtiment en hauteur, mais aussi, on le voit par toutes ces baies, des personnages qui vont être dans les circulations communes des résidences. On a voulu dans ce bâtiment des équipements publics, le centre d'art. Il y aura une société, une entreprise privée qui viendra s'installer sur l'autre partie
du rez-de-chaussée, qui est une entreprise d'optique de précision. Et au-dessus, on a fait du logement thématique. Une résidence étudiante de 120 logements et une résidence sociale de 136 logements, avec 20 logements familiaux qui sont situés ici. Un centre d'art et un hall en particulier qui ont été stratégiquement positionnés à l'interface entre la ville et le territoire. On domine d'ici le mail, on voit les enfants qui sont en train de sortir de l'école, plus loin de la crèche. Et au-delà, cette perspective se prolongera dans la deuxième phase de travaux. Et lorsqu'on se tourne vers l'est, on est face à ces pépinières de la ville de Paris, au-delà de l'autoroute. Pour les artistes qui vont encore attendre 18 mois, ils sont là dans des préfabriqués, un peu plus au nord de la ville. Et dans 18 mois, à chaque fois que je les rencontre, je leur dis « mais soyez patients parce que vous allez avoir une œuvre d'art ». L'opération de 800 logements est une opération majeure qui s'inscrit pour Val-Office dans un projet de développement important à l'échelle de la métropole. Cela ne peut pas se faire sans que des partenaires économiques nous accompagnent, les entreprises. Et parmi celles-ci, je distingue Outarex. Pas de bon projet qui ne soit vraiment un projet partagé. Et aujourd'hui, on en est au stade de la réalisation, bien avancé, le drapeau. Et l'entreprise Outarex, je crois, s'inscrit avec bonheur dans ce partenariat. Ce que nous faisons à Fresnes, nous essayons de le reproduire dans les mêmes formes et avec la même excellence dans plusieurs territoires de l'Île-de-France. Et l'opération que nous menons à Fresnes, de ce point de vue-là, a vocation à être un exemple que nous offrirons au regard de l'ensemble de nos interlocuteurs institutionnels. Et effectivement, l'ambition de Val-Office, c'est de porter l'offre de logement pour satisfaire nos concitoyens de 40 000, ce qu'elle est actuellement à 50 000, dans un avenir qui soit le plus proche possible. Dès qu'il passe en bas de l'autoroute, il a la fierté de leur montrer les deux rues. Donc tous les week-ends, quand on va en promenade, quand les amis passent, ça c'est le chantier que papa construit avec ses copains. Voilà, donc c'est la belle aventure. Donc aujourd'hui, nous célébrons le drapeau pour fêter la fin du béton, donc de la phase gros œuf qu'on a terminé il y a quelques jours, pour passer à la suite des événements qui sera les corps d'état secondaires. Et beau sujet de cet énigmatique projet, cette façade autoroute. Il y a aussi une vocation communicante, puisque elle est une formidable vitrine sur un axe d'entrée du Grand Paris pour la ville de Fresnes. Ce bâtiment, ce paquebot, qui a une façade entièrement sur l'autoroute, pour moi, c'est la vitrine du Grand Paris, la vitrine sud du Grand Paris.